Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est l'élevage de Gauthier. Donc là, nous sommes dans la volière et je vais vous faire une vidéo comment baguer les pigeons. Alors, j'ai bagué, enfin, j'ai eu mes bagues de 2000, 2017. Voilà, donc cette année, elles sont jaunes. Là, on va montrer comment baguer un pigeonneau. Donc, j'ai déjà, je vais baguer un petit Felaghiaza que je vous ai montré dans la vidéo précédente. J'ai déjà bagué l'autre. Et là, je vais baguer l'autre petit. Je vais vous expliquer comment on bague donc un pigeonneau. A tout de suite. Donc là, j'ai pris le pigeonneau. On va le baguer tout de suite. Donc on prend sa patte. Les trois doigts, on va les regrouper. Voilà, donc ça donne ça. Les trois doigts sont passés. Après, on va tirer la bague et on va faire la faire passer à son doigt. Après, normalement, on a le petit doigt. Lui, quand on les bague au bon âge, il reste coincé derrière. Donc, avec un cure-dent, normalement, on va chercher derrière. Mais là, il est jeune, donc la bague passe toute seule. J'ai pris un jeune, comme ça, je peux enlever la bague pour vous le remontrer s'il le faut. Donc là, le pigeon est bagué. Il vient de chez moi. Le pigeon est bagué à vie, une fois, ça s'enlève plus. Là, ça s'enlève. Donc voilà. Donc je vais remontrer. J'enlève la bague. Les trois, on va regrouper les trois doigts avant. On va passer la bague dans les trois doigts avant. Alors attendez. Trois doigts avant. On passe la bague. Hop. On tire, on remonte. On fait bien passer le petit doigt qui est coincé, normalement. Hop, le petit doigt il est passé et le pigeon il est bagué. Donc je vais reposer le pigeon. Voilà. Donc à savoir, un pigeon ça se bague aux alentours d'une semaine, 8, 10 jours et après c'est trop tard. À savoir qu'un pigeon en exposition n'a pas le droit d'avoir la bague ouverte. La bague doit être fermée. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.